ne pourrais pas dire le nombre exact, mais il y en a quand même une multitude. Donc après, il faut bien faire la part des choses entre endémiques, autochtones et insulaires. Parce que si vous voulez, on a une grosse diversité de blancs, de cépages blancs autochtones. Donc si on peut les citer, en citer quelques-uns, c'est Genovese, Riminaise, Bianco Gentile, qui sont les cépages probablement les plus plantés. Eux, ils ont été identifiés génétiquement comme autochtones, donc Corse, parce que trouver nulle part ailleurs autre, quand on les compare à une base de données génétique donc, mondiale, hein. Donc c'est des cépages qui ont, où il y a eu une étude vraiment poussée dessus. Donc sur les blancs, on a une grosse diversité ampélographique. Et sur les rouges, il n'y a qu'un seul cépage qui est identifié clairement maintenant comme autochtone, donc essentiellement Corse, c'est le Vintaggio, qui n'est pas encore autorisé à la plantation, mais qui est en cours d'expertise et qui là actuellement est planté chez trois vignerons à titre expérimental. Donc on ne les maîtrise pas encore tous. Chaque cépage a sa caractéristique. Le Genovese va apporter de la tension, le Riminaise de la rondeur. Le Bianco Gentile de l'opulence, un peu de gras, des notes exotiques. Enfin, ils sont tous complémentaires en fait l'un l'autre. Le Barbarossa apporte des notes pétrolées par exemple, que l'on ne retrouve pas sur le Vermentino dans sa jeunesse. Par contre dans l'évolution on le retrouve, donc du coup ils sont complémentaires. Le Cervelli fait un gros travail sur la recherche des cépages et les vignerons jouent le jeu et plantent ces cépages au fur et à mesure. Du coup on a beaucoup de cuvées maintenant qui sortent en vin de France au lieu de sortir en AOP. Parce qu'en AOP le cahier des charges ne les accepte pas. Ces cépages autochtones, ils ont un réel intérêt dans les assemblages. Donc d'une, parce que c'est des cépages qui étaient plantés et qui sont adaptés au microclimat de chaque région. Parce que il y a des détracteurs qui peuvent dire que les cépages oubliés, s'ils ont été oubliés, c'est pour une bonne raison. Mais chaque cépage a des potentiels. Il faut juste savoir les exploiter, les adapter à un parcellaire, un terroir bien précis. Et à une conduite aussi qui est adaptée à ces cépages-là. C'est vrai que c'est des cépages qui ont tendance à être plus difficiles à cultiver. Comme par exemple, je prends l'exemple du Genovese qui a un port très poussant, très retombant, très galère. Il faut passer pour faire des relevages assez régulièrement ou alors le rogner régulièrement parce qu'il est très poussant. Et ça, il avait sûrement écarté un moment parce que c'était trop compliqué économiquement, des coûts de production trop importants, quoi. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais chaque cépage est intéressant. Et ce qui est intéressant pour nous dans l'avenir de ces cépages autochtones, c'est qu'ils ont des potentiels très divers. Donc il y en a qui ont des potentiels acides importants, donc qui nous permettraient de rééquilibrer un peu les pH et les stabilités microbiologiques des vins, sur les blancs ou sur des vermentines qui, sur certaines parcelles, peuvent avoir tendance à être un peu mous. Et il y a des cépages qui vont être très aromatiques ou avec des volumes très intéressants. Et après, derrière, ça nous permet d'avoir une palette de cépages, comme c'était fait à l'époque, des complantations, pour avoir les équilibres les plus complets possibles. Quoi. C'est nouveau, ça fait 15 ans qu'on les retravaille tout doucement. L'un des premiers à le travailler, c'est Jean-Charles Abatouch, il a toute la collection pélographique qui était chez lui à la base. Pour ma part, le premier que j'ai goûté, c'était un Bianco Gentile de Chantoine Arena. C'était également l'un des premiers vins que j'ai dégusté réellement. Et ça, on peut le transmettre aux clients et ils adorent. Le Bruschian, le Prodiwart, le Quartac. Là, ça devient plus folklore et ça permet de rigoler, de détendre l'atmosphère en même temps. Ça leur plaît même. Quoi. Ne pas pouvoir prononcer le nom, ça les. ça les attire. Ça les attire. La clientèle étrangère ne les connaît pas. Donc, du coup, c'est nous qui les amenons dessus naturellement. Alors que la clientèle française, elle va vraiment nous demander qu'est-ce qu'on fait chez nous, qu'est-ce qu'on fait chez vous. Quel cépage, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est rustique? Non, c'est très fin, vous allez voir. Mettez les pieds sous la table et laissez-nous faire.